Alors, oui, avant toute chose, tu es gros, tu es moche, tu es gluant, tu as des boutons. Oui, mais j'ai un iPhone 11, frérot. Où est le problème Eh ben, il n'y en a pas. Du coup, c'est beau. Yo tout le monde, c'est Rogue, 50 000 likes, abonnez-vous, mettez une notification, ça important, ça sert à rien, Snapchat, Twitter, Instagram, Discord, Twitch, dans la description, venez me rejoindre, ça fait plaisir, surtout Snapchat ça fait des stories, je suis actif, dans la description, voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la richesse de, de GMK. GMK c'est qui C'est un YouTuber automobile qui est blindé frérot, quand tu vois les voitures qui... Franchement, ce mec c'est une vie de rêve frérot. Euh, Audi RS6, euh, Ferrari frérot, bientôt il va nous sortir la Bugatti, je le sens, il va nous sortir des trucs de ouf. Et, euh, et voilà, donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, donc allez voir, marqué GMK sur YouTube, vous verrez, il a 500 000 abonnés, machin. C'est pas moi qui vais lui faire de la pub, t'as vu Donc en gros, euh, je vais vous expliquer de où, euh, comment en fait, pourquoi il est riche, euh, comment il a fait sa richesse, s'il a eu, euh, comment dire s'il a fait un bon investissement, s'il a un gros héritage, si c'est ceci, cela. Je vais tout vous expliquer parce que je... Voilà, alors en fait, je vais... Je vais, je vais... Comment vous expliquer ça Je vais vous dire comment je le sais, pourquoi, de quand, à quel moment. Frérot, c'est magnifique. Donc du coup, voilà. Alors c'est pas des théories, c'est des choses qui sont sûres, parce que ça a été certifié par un laboratoire euh, en Serbie que, que, que c'était euh, formel et que c'était bien des bonnes prises de sang. Bref, du coup en gros, euh, pourquoi GMK Erich euh, Ben alors pas parce qu'il a travaillé, pas parce qu'il a reçu un héritage. Pas parce que je sais pas quoi, parce que JMK euh, fait partie, euh, comment comment dirais-je, c'est pas d'une famille, mais c'est d'une secte Illuminati, euh, tout simplement. Et il en fait pas, enfin, euh, qu'est-ce que c'est les Illuminati? C'est des personnes euh, qui dirigent le monde. Euh, comment ils dirigent le monde dans des bunkers? Alors, comme vous voyez, JMK ne fait pas des vidéos chez lui, par exemple. Euh Genre euh, à se promener machin, dans, dans, dans sa maison et tout, c'est très rare. Et quand il fait des trucs comme ça, quand il fait des trucs où il se filme dans sa maison, c'est souvent sur fond vert. Donc ça, il faut le savoir. Et il faut savoir qu'il n'est pas tout seul à faire ça. J'ai reçu des analyses du laboratoire de Serbie pour dire comme quoi que... Voilà, donc les analyses étaient formelles. GMK, c'est le fils de Emmanuel Macron, le président français. Et pour les gens qui ne vont pas me croire, alors je vais vous faire montrer une photo de GMK. Tout de suite, voilà. Alors vous voyez bien, il ressemble vraiment à Macron. Hein. C'est le même physique et... Pour moi c'est je vois pas vous voyez c'est Emmanuel Macron euh, en un peu plus mince voilà. Donc en gros c'est à peu près ça. Donc du coup, c'était juste euh, pour vous dire voilà donc c'est normal qu'il est riche vu qu'il est Illuminati de 1 et de 2 euh, comment prouver que c'est un Illuminati Il a un ami euh, qui s'appelle euh, Akram Junior alors qui a une chaîne alors, le meilleur youtubeur de tous les temps frérot. Euh, franchement, je, je, je vous dis, Akram, je, je kiffe sa chaîne, c'est quand même incroyable. Et, euh, il a un tatouage illuminati sur le sur sur le bras. Il faut savoir que Akram est quelqu'un de multimilliardaire, frérot. Il est plus riche. Que... Que, 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 que tout le monde, frérot, que Macron, que, que tout le monde. Macron, c'est son frère d'ailleurs, donc du coup, c'est quand même magnifique. Et c'est incroyable. Akram Junior, qui est un youtubeur automobile aussi, et qui fait des vidéos de dingue. Allez voir, euh, je vous le dis clairement. Euh, oh, je te suce, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, il fait vraiment des vidéos plutôt intéressantes. Et il présente la voiture à ses abonnés, ça, c'est un très bon concept. C'est très bien pensé. Quand j'aurai une voiture, j'irai la présenter. Et comme ça, euh, je vais prendre tout son argent. <laughs> le gros fou. Non, mais. Bon, en vrai, c'est une vidéo pour rigoler, hein, les gars. Je vous le dis tout. Le... Bah, putain, imagine, il y en a vraiment quelqu'un qui m'a pris au sérieux jusqu'à là. Quoi Ce serait quand même dingue. Non, parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens qui s'interrogent sur le... sur le fait de. Oui, K pourquoi il est riche Oui, Akram Junior, pourquoi il est. Alors, en fait, je crois que je vais faire deux épisodes parce que je pense que c'est des vidéos qui vont marcher en termes de vues. J'espère, en tout cas. Euh, je vais en faire un sur Akram. Un exprès pour lui. C'est pour toi, Akram. C'est magnifique. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai, en tout cas. C'est deux Youtubers que je regarde. Euh, Akram, je regarde énormément, frérot. Euh, frérot, putain, mais ça vient de lui en fait. C est, c est ça. Le problème avec Akram, c'est que tu regardes ses vidéos et t'en deviens addict. Et à force de le regarder, tu reprends ses expressions de lui et de son pote Alpha Delta 06. C'est magnifique. Mais là, on est là pour parler de JMK Parce que je vois beaucoup de gens qui s'interrogent sur la situation de JMK Pourquoi il est riche Comment Où Quel moment Et moi, la question que j'ai à vous poser, c'est <laughs> on s'en fout. Qu'il soit riche pour un héritage, qu'il soit riche pour un bon investissement, qu'il soit riche parce qu'il a vendu des kilos de hashish, frérot, on s'en fout. De hachiche, je parle bien évidemment de, de, de pois chiches hein, euh, qu'on met dans le couscous. Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Le principal, c'est pas de savoir pour, pourquoi il est riche, comment, de où. Pour... Le principal, c'est qui qu nous fait kiffer ses voitures, qui nous fait kiffer sa, sa vie, frérot. Parce que moi, j'ai une vie de merde. Alors, je regarde des youtubeurs qui ont une vie bien. Alors, forcément, ils vont nous montrer que le bien, machin. Bien sûr, ils ont leurs problèmes, machin. Enfin, tu sais, les problèmes de riches, genre, ah euh, oh, putain, je dois mettre de l'essence. Mais euh, non, non, en vrai, je rigole, tu vois, c'est des, des, autres, des autres soucis. Tu vois le fisc qui te tombe sur la gueule, ça fait chier, tu vois le délire. Mais voilà, en vrai, c'était juste pour dire ça. Euh, pourquoi vous cassez les couilles euh, Ouais, les gens, ils sont riches. Il y en a même, j'ai vu, euh, il y en a très peu, hein, c'est une minorité. Dans ces commentaires, ils sont là, ouais, pour la planète, l'écologie, euh, ce que vous faites avec les lignes d'échappement, c'est n'importe quoi. Les reprogrammations. Eh, hey, nique taras On peut pas tout faire. En plus, faut savoir que Gmk, ce qui est marrant, c'est que les gens vous dites, oui, il est pas écolo. Euh, et bah, c'est vrai, il est pas écolo. je crois, attends, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des voitures qui sont à l'éthanol. Il me semble qu'il a des voitures à l'éthanol. Donc, euh, si, il est écolo. Tu vois, donc, euh, ouais, la ligne d'échappement, machin. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout va... La planète, dans tous les cas, elle va exploser. Et nous, on sera plus en vie. Le gars qui a plus d'arguments. Non, mais voilà, non, en vrai, c'était juste pour vous dire ça. <coughs> je vais faire un autre épisode sur Akram. Là c'était un truc qui était pas préparé, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Je vais faire un autre épisode sur Akram. Mais lui il faut que je trouve encore un truc plus... encore plus tordu. Donc si dans les commentaires vous avez des idées, euh... oh je sais ce que je vais te dire, mais si vous avez des idées dans les commentaires, enfin si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires, comme ça je le ferai pour Akram. Genre euh, qu'il a... Été... C'est un acteur porno connu, je sais pas quoi, mais qui avait jamais fait montrer sa tête. Enfin je sais pas, je vais trouver un truc bidon, tu vois. J'espère que cette vidéo va marcher. Imagine, j'aime' il tombe dessus. Alors c'est... Ce, ce grand humain géant de la taille d'un lampadaire, il va se dire Mais, mais c'est quoi encore ce gros lard boutonneux euh, pauvre qui, qui fait ça Non, bon, en vrai, c'était pour rigoler. voilà. C'est magnifique. Allez voir euh, leur chaîne d'ailleurs GMK, Akram Junior et compagnie. Euh, allez voir leur chaîne. Bon, là, c'était pour parler de GMK. Prochaine Akram, attention. Mais, euh, mais voilà, je vais pas mettre leur chaîne dans la description. Hein. Vous tapez leur pseudo, vous trouvez un G, -M -K, c fait un, G un M et un K. Voilà, il n'y a, a pas plus facile. C'est tout ce que j'avais à dire, frérot. Et là, il y en a qui vont se dire, mais j'ai perdu 6 minutes de ma vie. Bah, c'est vrai. J'aime bien la mise à jour qu'ils ont fait Streamlabs. Maintenant, je peux voir il y a combien de temps. Donc là, on a 7 minutes dans 5 secondes. Voilà, c'est magnifique. Moi, bon, c'était tout ce que j'avais à dire. Snapchat dans la description. Instagram aussi, venez me rejoindre. C'est Hydrox, I-D-R-O-X-X. -X. Snapchat F-I-E. Euh, non, non, mais c'est pas ça. Ouais, bref, hein, le Snapchat, je sais plus c'est quoi, il est dans la description. Bref, c'était Hydrox. Salut, salut. Salut.